L'automassage numéro 24 du livre de Steve Barrett, les automassages au rouleau. Les rhomboïdes. Les rhomboïdes sont des muscles qui sont juste entre les omoplates et qui accumulent beaucoup de tension à cause de notre position assise, de notre position de bureau. Et donc, il y a beaucoup de difficultés à ce niveau-là et beaucoup de gens ont des douleurs dorsales à cause de contractions permanentes, de dysfonctionnements permanents de ces muscles rhomboïdes. Une très bonne manière de relaxer ces rhomboïdes et de libérer ces douleurs, c'est de les automasser. Alors, on place le rouleau au sol et on va le placer entre la région des omoplates, c'est-à-dire au milieu du dos, tout simplement. Et il y a une petite ruse pour masser les rhomboïdes, c'est tout simplement de croiser les bras sur la poitrine, comme si on voulait s'embrasser. Et à ce moment-là, ça fait saillir les omoplates, enfin ça plaque les omoplates contre le dos et ça fait saillir les rhomboïdes, ces muscles-là. Et donc, je vais lever les fesses et très délicatement, en poussant dans mes jambes, je vais aller me rouler sur cette région-là. Alors, c'est finalement une petite région, la région entre les omoplates, donc c'est un mouvement assez modeste. Une fois que j'ai massé comme ça un petit peu le milieu de mes rhomboïdes, j'aime bien appliquer un peu plus de poids d'un côté, et puis ensuite un petit peu plus de poids de l'autre côté. Faites comme vous le sentez, comme d'habitude, ce qui compte c'est de vous faire du bien. Si c'est trop difficile pour vous d'avoir les fesses levées, dans un premier temps, vous pouvez les poser au sol et ce que je fais, c'est que je me berce un petit peu sur le rouleau pour libérer mes rhomboïdes en remontant progressivement d'une vertèbre après l'autre. Donc voilà, un très bon mouvement, très libérateur et qui certainement apportera beaucoup de bienfaits à beaucoup de personnes. Merci beaucoup, à très bientôt.